Et auditrice de la chaîne de télévision Prince GMT Santé. Bonjour, merci de nous recevoir en ce moment partout où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet quelquefois négligé par les Africains, mais qui est d'une importance très capitale. Et pour en parler ici, nous avons notre invité habituel. Il s'agit bien sûr de Prince GAMT Santé, Babariba, il est là. Et tout à l'heure, vous allez bien sûr l'écouter. Alors, le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui, c'est bien sûr le sujet concernant Mami Wata ou les sirènes. Et qu'est-ce qu'il faut en savoir autour de ce sujet? Tout à l'heure, nous écouterons notre invité à qui d'ores et déjà nous souhaitons la bienvenue. Prince GAMT Santé, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Ça va. Alors aujourd'hui nous allons, comme je l'ai dit plus haut, nous allons débattre d'un sujet qui est parfois négligé par les Africains, parce que c'est une réalité en tout cas pour ce que je sache, africaine, je ne sais pas si ça se passe de l'autre côté, mais c'est purement, et en tout cas chez nous, c'est un sujet qui est récurrent, mais quelquefois négligé par les Africains, alors que c'est une importance capitale pour certains d'entre nous. Alors, dites-nous l'initiation ou le pacte de mariage avec la sirène ou le Mami Wata, comment est-ce que ça se passe et où et quand est-ce que ça doit se passer? D'abord, comme on venait de dire tout à l'heure, l'Afrique dote vraiment des entités très riches. Nous-mêmes les Africains, on ignore ça. Or, principalement et naturellement, c'est un don de Dieu qui est venu et que tout ça nous devons surtout l'entretenir tel qu'il le faut, tel qu'il le doit. D'accord, car parlant de la sirène ou Mami Wata, c'est un esprit aquatique, c'est-à-dire l'esprit légendaire qui fait du bien, c'est-à-dire dans l'humanité. Et là, à ce niveau, beaucoup d'Africains ils ne taillent pas d'importance à cela, mais tant que tu es né déjà là, il faut savoir que d'autant que c'est l'esprit aquatique, il y a déjà une petite partie de cet esprit-là, de cette entité qui est en toi et qui est en joie. Et si c'est comme ça, il faut aussi s'entretenir avec et pour pouvoir en procurer de quoi, quand est question comment ces énergies au point d'adéquat vraiment sur les gens de richesse, côté des reçus dans les affaires, l'évolution, y compris tout cela en même temps. D'abord, comprenez que l'initiation ou le pacte ou bien même le mariage avec Mami Wata, cela se passe à un lieu sacré qui est vraiment consacré à la sirène des eaux. C'est-à-dire Mami Wata, la famille Mami Wata. Quand nous prenons planète eau, l'eau est là, mais nous avons différentes formes d'eau, comme on a planète Terre et on a différentes formes de terre là. C'est ainsi ça se passe au niveau de l'eau aussi. Du côté de l'eau, l'élément eau là, il y a l'autre monde des eaux qui est rouge. Et en secret à véridique là, c'est là où se passe tout genre d'initiation. Le pacte, le mariage avec Mami Wata la sirène. Parce que eux d'autres, c'est leur monde ça. Quand nous voyons l'eau, ce n'est pas seulement qu'on vient à la plage, on voit la sirène, bien sûr, on voit Mami Wata, mais ce n'est pas seulement ça. Ils ont leur lieu précis. Et que le pacte ou l'initiation, quand c'est fait vraiment, c'est là où ça va le colis de pacte ou bien la cérémonie, c'est là où tout se passe en fait. Et parlant du monde des eaux rouges là,
planète rouge, de la mer rouge, je voulais parler. La mer rouge, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder. Il faut doter de certaines puissances, de certaines énergies avant de dire accéder. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, ils font leur pacte ou l'initiation, mais chez les maîtres ou chez les prêtres qui font cela, là, ils n'ont pas de leurs résultats concrets. Si bien, ils terminent l'initiation ou le pacte, hein, la cérémonie, parce que des fois, ça a besoin d'une série de cérémonies à faire jusqu'à atteindre l'objectif du pacte ou l'initiation. Ça dépend de ce qui est venu directement des esprits, c'est-à-dire de l'esprit de l'eau. Et quand c'est fait, et si la personne n'a pas l'accès d'accéder aux mers rouges, là, ça dit, quand il fait là, il va toujours manquer des énergies adéquates qui pourra accompagner maintenant, assister cette dernière d'acquérir sur ses objectifs de pas tout l'initiation. Et comprenez que l'initiation se fait à celui qui est né de cet esprit, de cette entité d'abord et maintenant de cet esprit. Si Jean n'est pas né avec Mami Wata, l'esprit, la sirène, on ne pourra pas lui faire l'initiation. Là, en ce temps, on pourra demander, voir si c'est le pacte qu'on va lui faire. Et cela, ça dépend des esprits. Si l'esprit refuse là, on ne force pas et on ne pourra pas forcer. Parce que quand tu forces, tu fais là, tu n'auras pas de résultat. Parce que ce n'est pas à tout le monde que les esprits acceptent à ce qu'ils fassent le pacte. Hein. Oui, parce que à voir la personne, d'abord de quel élément de la nature elle est née, de quel est son esprit vraiment, tout ça là. À voir ça, avec l'esprit dont tu voulais faire le pacte, des fois l'esprit refuse. Parce que l'esprit sait que même avec ce que tu as déjà comme esprit là, quand tu fais avec là, lui, avec toi, ton esprit ne pourra pas rester ensemble. Et comme ça, l'esprit refuse. Quand vous consultez, il faut vérifier, voir d'abord si les esprits acceptent à cette cérémonie. S'ils n'acceptent pas, ne forcez pas. On ne force jamais quoi que ce soit au côté spirituel. Là. Quand on force, on fait là, ça ne donne jamais le résultat. Il y a des conséquences. Vraiment, c'est de là que ça vient, les conséquences. Parce que ce n'est pas adéquat à la nature. D'accord? Le côté de la mer rouge là, c'est tel que on dirait qu'on a un club, je suppose. On a un club ou bien on a une famille. On voulait s'initier, c'est-à-dire faire accord avec cette famille ou bien ce club-là. Et tu voulais aller intégrer dans ce club-là. Il faut que on t'initie vraiment à ce lieu adéquat qu'il faut afin d'intégrer. Autrement dit, ce n'est pas seulement on prépare les colis, on fait les cérémonies, on jette dans la mer, c'est fini, non. Et si le pacte ou l'initiation se fait bien, vous-même, vous allez vous apparaître. À qui on a fait va apparaître aussi dans le monde des eaux rouges, dans la mer rouge. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur, non. Voilà, parce que c'est là où tout se fait. Et quand c'est fait, les esprits vont te faire appel. C'est de là les esprits vont t'intégrer parmi eux. Et c'est en ce temps que de quoi tu as besoin, les esprits te demandent. Mami Wata, la sirène, Elimanja, Rosy Rosa, et Krishna, Vishnu, Mami Chamba, Mami Sika, Mami Ablo, Mami Densu, ainsi de suite, Imatinik Mamadou. Et quand ils te demandent de quoi tu as besoin, c'est de là que tu vas dire ce que tu as besoin. Et les esprits là notent, les esprits là signent. C'est de là qu'on parle de signer, de pacte. Et c'est en ce temps que là, de quoi tu as demandé comme un feu au cours de ton apparition dans la mer rouge là, allez, c'est ça qu'ils vont signer et ils vont commencer à t'assister, t'accompagner avec leur énergie, leur puissance, d'acquérir forcément, je dis bien forcément, sur quoi dont tu as demandé. Et je vous rappelle qu'il n'y a jamais de conséquences à ce niveau si vous respectez les recommandations qui n'est même pas des recommandations qui sont dures, hein, qui sont très difficiles. Car le côté
de quoi donc vous n'allez pas porter comme habit de couleur, et aussi de l'autre côté de ce que vous n'allez pas manger. Vous respectez à ça. Et comprenez, à tous ces gens de ces cérémonies, il aura un jour forcément entre toi et l'esprit. Et lorsque l'esprit vient vers toi, l'esprit va te trouver sain et sauf ce jour-là. Autrement dit, tu ne vas pas faire les rapports sexuels ce jour-là. L'esprit même va te dire tout cela au cours de ton apparition dans la mer rouge. D'accord? Côté l'initiation ou pas de ça. Et de même de l'autre côté, quand tu voulais maintenant toi-même l'apparition physique de ton esprit, parce que il y a comme ça là, il y a différentes formes de Mamiwata, comme je viens de citer. Il y a différentes sortes de Mamiwata. C'est quel genre de Mamiwata pour toi? C'est avec quel genre de Mamiwata tu as fait le pacte? Ou bien tu es né de l'entité O, de l'élément O, et ton esprit c'est Mamiwata. Mais c'est quel Mamiwata? Est-ce que c'est Mami Sika? Est-ce que c'est Mami Denchu? Est-ce que c'est Mami Ablon? Est-ce que c'est Mami Apuke? Est-ce que c'est Watra Mama Rosie Rosa? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est Krishna? Est-ce que c'est Vishnu? Bon, demande tout ça. Et maintenant, dès que toi-même, je disais, tu as besoin l'apparition physique telle qu'on se voit physiquement comme ça, il y a de leur puissance que vous allez invoquer, et ces esprits, ils vont apparaître physiquement je dis. La mer rouge. Bien sûr, pas dans la mer rouge en ce temps. Pour l'étape de mer rouge, ça est déjà passé. Okay, maintenant, chez nous, en être humain ici, monde d'accord. Des humains ici, oui. L'esprit va apparaître en tant que toi aussi, comme être humain. Et d'ailleurs, même, on rencontre des êtres, des esprits en être humain des fois sans s'en rendre compte. Et c'est ceux qui peuvent connaître qui les connaissent. D'accord? Et vous allez voir que ces personnes, ces esprits-là, quand ils sont en être humain comme ça, là, leur corps-là, parfois c'est étrange. D'accord? Donc c'est quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas la peur. Quand l'esprit, quand tu évoques de sa puissance et l'esprit apparaît physiquement, ce que tu as besoin, tu voulais et tu as invoqué et l'esprit est venu physiquement, tu lui demandes, l'esprit disparaît encore. C'est pourquoi on dit que quand une personne, je prends un autre exemple, quand une personne meurt là, que son esprit ça reste toujours, d'accord? C'est pas l'esprit qui meurt, l'esprit de la personne ne meurt pas, d'accord? Donc l'esprit disparaît encore quand vous finissez votre demande que vous voulez à votre esprit. Donc c'est comme ça. Et il n'y a pas la peur. Il n'y a pas de conséquences à ce niveau. D'accord? Donc tel que ça se passe un peu. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que les cérémonies d'initiation de Pâques qui se font ici, parce que ici nous savons clairement que nous n'avons pas accès à la mer rouge. Et comme vous l'avez dit, peut-être il faut avoir un certain degré nous d'énergie. Nous avons un degré d'énergie. Et nous avons aussi les mers rouges là, il y a ça plein. Partout il y a la mer. Ah d'accord. La mer, là, vous voyez. Mais ça, la partie qui est sacrée et qui est consacrée à cela. Et quand tu. Voilà. Si tu as des énergies à certains niveaux, autrement dit la puissance d'accéder à ça, il y a une cérémonie qu'on fait et le monde la ouvre. Quand cela ouvre pour toi, tu entres, tu pénètres. C'est comme les sorciers utilisent le pouvoir de pénétration pour aller détruire des choses. Mais ceci, c'est pour aller arranger des choses. Hein. Et donc, quand tu fais cette cérémonie au niveau de... quand on vient à la plage, au niveau de la mer, ça a des lieux sacrés comme ça. Et quand tu fais cette cérémonie-là, l'eau que toi, tu vas commencer par voir ou bien avec une personne dont tu voulais initier ou bien quoi. Là, quand vous venez, la personne peut venir physiquement aussi. Tu pourrais lui inscrire parce qu'il est en acte de faire déjà la cérémonie là, d'accord? Et quand tu fais là, quand là, le lieu là, ouvre là, ce serait que de l'eau rouge que vous allez voir. Jusqu'à ce que tu pénètres et tu fais de ta cérémonie là, et ainsi soit-il tel que je viens de vous dire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Ça voudrait donc dire que il faut, comme vous l'avez dit, il faut un certain degré d'initiation, il faut une certaine énergie. Bien sûr. Avant donc de pouvoir prétendre signer un pacte ou initier quelqu'un, ou que ce soit un pacte ou mariage avec une sirène ou
Mamiwata, comme on l'appelle communément. Voilà. Alors, dites-nous comment ou dans quoi se manifeste donc la sirène de Mamiwata. La sirène Mamiwata se manifeste. Vous voyez, il y a des gens qui aiment c'est-à-dire mener des pots de fleurs dans leur maison, dans leur chambre et autres. Là. Tout sera fait apparaître Mamiwata. Hein. Ça fait l'apparition de Mamiwata. Les fleurs, d'accord, les fruits même, parfum, d'accord, beaucoup de choses, l'eau déjà vous le savez, et cela fait apparition de Mamiwata. Comment? Les signes, les symptômes de Mamiwata, vous allez commencer par lire cela à travers même les fruits, les parfums que vous mettez, la présence de Mamiwata peut déjà venir vers vous et pour se manifester. Et surtout, à ceux même qui ont déjà fait la cérémonie de l'initiation ou le pâte et qui utilisent ces genres de choses-là, le plus vite, eux, ils sont toujours en harmonie avec l'esprit Mamiwata, qui est l'esprit aquatique, là, la sirène. Voilà. Parce que les fruits, même l'air naturel, là aussi, d'accord, et les fleurs, l'eau, l'arc-en-ciel que nous voyons aussi. D'abord, ça, toutes les diverses formes de sirènes que nous avons. Prenons l'arc-en-ciel la seule. Donc, il y a tout cela sur lequel vous pouvez lire déjà Mamiwata, la sirène. D'accord? Et son apparition. Quand cela flotte, vous allez commencer par sentir en votre corps, en même temps qu'il y avait une énergie étrange qui est venue au cadre de vie, là où vous êtes, ou même en vous, même en soi, quoi. D'accord? Donc, c'est tel que ça se passe et en quoi vous pouvez déjà constater ou lire. Mamiwata, la sirène, c'est un peu ça. D'accord. Alors, pour essayer de récapituler, nous sommes d'accord que lorsqu'on parlait du lieu ou de l'endroit où il faut faire le pacte ou le mariage ou l'initiation à la sirène, au Mamiwata, ce n'est pas, quand on dit la mer, ce n'est pas vraiment la mer rouge que nous connaissons, mais il faut être initié, il faut avoir un certain degré de connaissance pour pouvoir savoir quel est ce lieu de la mer-là et qui est donc destiné à cette initiation ou à cette cérémonie. Alors nous avons également retenu que les sirènes se manifestent dans les fleurs, lorsqu'on utilise des fleurs, les parfums, de l'eau et j'en passe. Alors, est-ce qu'il y a un moment précis de la journée où le pacte, je reviens encore sur le pacte, où le mariage ou l'initiation de la sirène se fait? Il y a un lieu précis de la journée, un moment précis de la journée? Le moment précis de la journée, si ce n'est pas très tôt le matin, allez, c'est directement la nuit. Je dis, si ce n'est pas très tôt le matin, c'est directement la nuit. Et ce n'est pas tous les jours que cela se fait. L'initiation ou le pâtre, ce n'est pas tous les jours que ça se fait. D'accord? Bon, principalement, les jeudis, les vendredis et samedis. Ces trois jours-là, c'est des jours qui se sont consacrés vraiment à ce genre de cérémonie avec Mamiwata. Ou une bonne initiation, ou un bon pacte, ou bon mariage avec l'esprit Mamiwata. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi de bout en bout ce 31 avec Prince GMT Santé. Vous aurez les références, les coordonnées sur la chaîne. Vous pouvez, en cas de... Si vous avez besoin d'approfondir ce sujet, vous avez besoin de poser certaines questions, ou vous êtes dans le cas, vous avez besoin d'une aide quelconque, et voilà, n'hésitez surtout pas. Il vous suffira tout simplement de contacter les références que vous allez voir sur votre petit écran, lorsque vous serez en train de suivre cette vidéo. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Vos apports, vos ajouts, en tout cas, nous sommes ouverts à toute forme de discussion. Merci et à la prochaine.